Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Américaine à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir, on l'a fait encore pour ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. D'abord, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité ici aux États-Unis depuis la Maison Blanche jodi a, président Joe Biden annoncé réduction drastique quantité immigrants qui ont demandé asile sous frontière États-Unis. États-Unis justice deuxième jour pour ce petit garçon président américain Joe Biden Hunter Biden qui en bas accusation pour possession illégale d'armes à feu. En Haïti, Premier ministre Gary Conille a paré pour former un gouvernement en collaboration avec Conseil présidentiel transition après les recevoir hier lundi à ampliation arrêté Kinomel. Et puis dans ville Madrid dans pays Espagne, fanatique pas qu'attendre présentation officielle international français Kylian Mbappé. C'est pour ça yo avec l'autre nous pral développer pour dans un petit moment d'abord nous pral et rejoindre collaborateur nous Jean-Robert Philippe qui dans la Maison Blanche côté que président Biden annoncé un décret qui dit que une réduction drastique qui pral fait dans immigrants qui demandent asile sous frontière. Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. Effectivement, dans un petit discours tout mince que le président Joe Biden prononçait devant le public, en fait, devant la presse, et bien justement, il a annoncé une décision sur laquelle il croit qu'il est important pour l'administration liant que l'a dirigé. D'abord, le thème que il prend dans le décret, ça, il est en nous sécuriser les frontières. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire ce que les républicains et le Congrès refusent de faire. Prendre les nécessaires steps pour sécuriser notre border. Mais il dit qu'il souhaitait que l'administration travaille ensemble avec les républicains et le Congrès pour prendre une décision pour que vous fermiez les frontières, mais limiter la quantité de gens qui demandent asile sous les frontières. Mais il dit étant donné que ça n'est pas fait et que tout effort est fait pour que vous travaillez ensemble pour trouver une solution pour sécuriser les frontières, ça n'est pas fait. Et bien, lui-même, il a fait cavaler seul et il peut aller pour compter pour lui, justement, et prendre une décision. Ils n'ont pas le temps pour les jeux joués à Washington. And neither do the American people. So today, I'm moving past Republican obstruction and using the executive authorities available to me as president to do what I can on my own to address the border. Ça veut dire que sa décision est lui-même. Décision que le décret présidentiel ça lui pense justement limiter quand c'est mon cap vient sur frontière et que tout mon cap vient sur frontière illégalement et décret ça a le pouvoir, le moyen pour que lui bloquer et fermer frontière les arrivées en quantité de monde qui dépasse. Soit par exemple si il dépasse les 2500 monde et bien que qui vient entrer illégalement sur frontière, mais moment ça l'administration doit fermer frontière et il a fait pour deux semaine, David, 14 jours. Et pendant 14 jours, ça, la prête est fermée jusqu'à ce que quantité de monde qui a pris sur la frontière descende pour arriver à moins de 2500. À moins de 2500, il y a pour l'ouvrir encore. Le président dit, du côté humanitaire dans la décision là, on va se faire humanitaire là dans le tour. Il dit que la décision n'a pas affecté et citoyens ou bien immigrants qui ont pris rendez-vous à travers CBP Rwanda pour venir demander asile sur la frontière. Il dit qu'il a toujours fait ça, CBP Rwanda a toujours ouvert, au contraire, il a encouragé eux-mêmes à faire ça. Mais il dit qu'il souhaitait que, mais juste ça, que la prend pral, justement, en position côté que il pral déterminant, il côté il pral capable d'aider à contrôler le flot d'immigration. Nous rappelons que le président, ancien président Donald Trump lui-même, il était utilisé. Et même mesure que le président Biden prend aujourd'hui, mais il était dit en 2017-2018, pour empêcher aussi de citoyens de l'autre pays venir aux États-Unis, et il dit c'est même, excepté qu'il prend une décision, dans un moment, nous avons une question électorale, dans un moment, il parle d'une élection dans le pays, et c'est ça. Moi, c'est Jobert Philippe Casselino, depuis la Maison Blanche, Jobert Philippe, la Voix d'Amérique, Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe, gain en pile réaction qui gantan tombé, gain notamment coalition ça qui gain la donne membre congrès et qui gain l'autre et responsable organisation immigration et parmi eux nous joignent et Anna Presley, nous joignent Yvette Clark, nous joignent Garline Joseph qui c'est directrice exécutive et Asian Bridge Alliance, et même yo rejeté décision que président Joe Biden prend jodi a concernant et réduction drastique ça sous moun k'ap mande asile sous frontière et puis gagner tout républicain tout qui réagit tout côté critiquer président Biden et on dit que président Biden a pu utiliser question immigration pour le faire jouette politique jouette électorale. Sandra Lemaire gagne détail.
Leader républicain dans la Chambre des députés États-Unis critiquait plan président Joe Biden gagnant pour le mettre en application tout de suite quelques restrictions importantes contre migrants qui cherchaient asile sous frontière États-Unis-Mexique là. Biden adoptait mesure ça dans moment la Maison Blanche a cherché neutraliser immigration comme point faible politique avant élection mois de novembre là. Républicain dans le Congrès a dit lors d'exécutif Biden là c'est une jouette politique. Mike Johnson, c'est président de la Chambre des députés États-Unis. They're in panic mode on the Democratic side and they are so desperate to stop Donald Trump. He's winning. Les démocrates ont paniqué et ils ont tellement désespéré pour barrer Donald Trump. Monsieur a gagné dans l'état qui a influence. L'a gagné parmi le peuple là, l'a gagné parmi groupe électeur qui pour que j'aime voter pour républicain. Yo voit ça a passé donc il y a pas tout ça est capable pour croire monsieur et puis yo même d'accord pour servir avec système judiciaire pour faire. Yo baissé bas en pile et c'est un bagage qui dangereux parce que ça mine confiance peuple là dans système noir et dans justice. Démocrates ont fait remarquer Biden t'étend plusieurs mois avec espoir d'est-ce que républicains tap collé tête ensemble avec démocrates pour adopter une loi immigration. Mais Biden t'est obligé agir pour contre lui. S'il pas remporté élection mois de novembre là, successeur l'IA t'a capable renverser décision ça. Elise Stefanik, c'est directrice conférence républicaine la Chambre. We must work and are committed to working around the clock to ensure President Trump is victorious this November to save America. Il faut que nous travaillons et nous prenons engagement pour travailler 24 heures sur 24 pour assurer président Trump remporter la victoire au mois de novembre non, pour sauver les États-Unis et puis retirer en bas agenda extrême gauche démocrate Biden non, et puis empêcher le fait système judiciaire tourner aux âmes que les cas servis contre peuple américain. Président Biden dit qu'il a réfléchi depuis plusieurs mois sur question pour agir pour contre lui, surtout après une entente qui a été jointe avec républicains dans la Chambre, qui a boit l'huile après Donald Trump a demandé pour ne pas voter pour lui. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, faut dire que Sandra Lemaire t'a suivi pour nous et deuxième journée pour ces petits garçons président Biden en parlant de Hunter Biden qui est en bas accusation pour possession d'armes illégales. Sandra a rejoint nous encore pour plus de détails sur question ça. Procès Hunter Biden, petit garçon président Joe Biden, tombait jeudi mardi à Nanville, Wilmington, État Delaware. Il a été sélectionné un jury qui gagne 12 moun là-dedans et puis 4 alternés lundi. La justice accusait Hunter Biden de 3 crimes qui gagnent rapport avec Zam qui était acheté en 2018. D'après un livre li écrit sous la ville, Hunter Biden a gagné une addiction à crack cocaïne dans l'époque là. Sélection jury a fait rapidement lundi dans l'état côté président démocrate là habité. C'est là tout que Hunter Biden t'a grandi. Hunter Biden a fait face avec un autre procès dans l'état Californie dans mois de septembre là. Côté yo accusé de ce que il pas payé 1,4 million de dollars l'argent taxe. Monsieur dit département justice là ciblé injustement. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. D'après les toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, il y a un ancien président Donald Trump qui ouvre un compte TikTok et une plateforme que l'été interdit ici aux États-Unis pendant l'été président. Valérie Saint-Louis, il y a un détail. Candidat républicain Donald Trump rentré dans TikTok, une plateforme média sociale que l'été essayé interdit ici aux États-Unis pendant que l'été président. C'est géant des affaires technologiques qui basé dans le pays la Chine, qui relaient ByteDance, qui possédait plateforme TikTok là. Donald Trump rentré dans la plateforme TikTok là dans le moment que l'a mené activité campagne avant élection présidentielle novembre. Ces médias en ligne qui relaient Politico, qui était premier rapporté nouvelle là, l'élite dit que Donald Trump t'a affiché une vidéo lancement sous compte TikTok là dans samedi soir. The president is now on TikTok. It's my honor. Ça, c'est vidéo qui montrait Donald Trump qui saluait fanatique Lio dans le moment que l'a assisté au combat UFC Ultimate Fighting Championship dans Newark, New Jersey. Compte TikTok ancien président Donald Trump qui sous adresse à Obaz Real Donald Trump, t'a gagné plus passé 450 000 monde qui a suivi le même jour que l'a ouvert compte.
vote là sous plateforme là dans samedi 1er juin vers 8h du soir. Dans moment que n'a parlé là, Donald Trump gagne 4.9 millions moun k'ap suivi sous plateforme ça. N'a rappelé que Donald Trump l'était président, il était fait en pile tentative pour lui interdire TikTok ici aux États-Unis en 2020. N'a regardé là en août 2020. Donald Trump t'a fait sortir New Lord exécutif contre plateforme là. Tribunal yo te bloqué des marches ça. Donald Trump t'a dit dans mois de mars passé que plateforme TikTok là c'est une menace contre sécurité nationale là. Mais il t'a dit tout que une interdiction contre plateforme ça t'a qu'à affecter ti jeune yo et puis il a seulement renforcé plateforme Facebook Meta que lui même tout le t'a critiqué en pile. Bon côté pas la compagnie technologie Biden là a goumé dans tribunal contre une loi américaine qui était entrée en vigueur dans mois avril dernier et qui exigeait compagnie vendre TikTok dans mois janvier année prochaine ou soit fait face à une interdiction. Maison Blanche a dit que l'État voulait ouais yon l'autre monde qui pas chinois comme propriétaire plateforme nan, pour raison sécurité nationale. Mais c'est pas une interdiction que l'État voulait mettre sous TikTok lui-même. TikTok te fait connaître que le papier partager données avec information utilisateurs qui aux États-Unis avec gouvernement chinois et que tout te prend mesures substantielles pour protéger vie privée tout utilisateur li yo. Campagne réélection président Joe Biden est rentré dans application TikTok là dans mois février. Dans moment n'a parlé là, il y a 354 500 moun qui suivent lui. N'a précisé que c'est pas page personnelle président Joe Biden, mais c'est page campagne li. Yon l'autre bon campagne Donald Trump là ensemble. Bikin, dit que yon te ramassé 141 millions de dollars dans le mois de mai. Yon gros somme l'argent qui gagne la donne plusieurs dizaines de millions de dollars que yon t'a ramassé après verdict historique ça qui te joint Donald Trump coupable dans le jugement criminel lié dans New York. Campagne Donald Trump n'a pas obligé de divulguer publiquement par la commission élection fédérale la somme l'argent li ramassé que juste en fin mois ça. Mais décision li prend pour publier chiffre ça au bien bonheur comme ça, montrer qui j'en li ouais vague contribution comme preuve qui montrait que verdict jeudi passé a te bail partisan ancien président énergie. Et comme you signe tout que verdict la pape entravé et folle pour retourner dans Maison Blanche, chita sous chaise bourrée comme président. Campagne président Joe Biden nan lui-même pour publier total l'argent qu'il a ramassé pour le mois de mai. Et Trump ak parti républicain rapporté qu'il a ramassé 76 millions de dollars dans le mois avril. Chiffre ça a dépassé plus passé 51 millions de dollars que Biden à comité national démocratique là t'a rapporté mois ça pour première fois. En tout cas, selon plusieurs observateurs qui suivent, ancien président obligé changer fusil d'épaule, li entré sous plateforme TikTok là, une façon pour lui attirer une autre qualité électeur qui pi jeune. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et bien, actualité à Konya, appenez nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël-Hamas, là, a continué pendant que médiateurs ont réclamé une position claire, bon côté Israël avec Hamas, pour joindre un cessez-le-feu dans la guerre, ça qu'il a depuis 8 mois. Gentil Augustin Junior, gain détail. Kata, qui se médiateur sur Gaza entre Israël et Hamas, insiste jeudi mardi 4 juin 2024 là, sous le fait que ta doué gagne une position claire dans tout de boyo pour arriver joignon à cause et selfie. Pendant ce temps, les États-Unis pour comprendre nouvelle Hamas, sous une proposition c'est selfie que yote soumet by groupe là, depuis jeudi 30 mai 2024 là. D'après sa porte-parole département d'État américain, Matthew Miller, te dit à lundi 3 juin. Conflict in Gaza. Conflit sans campé dans Gaza, cap chercher une victoire totale, pas pral faire Israël pi en sécurité. Nous d'accord avec Israël que Hamas pas qu'à diriger Gaza. Nous d'accord avec Israël sous droit et obligation pour poursuivre Hamas pour attaque terroriste 7 octobre 2023. Mais l'ité continue pour dire position nouan c'est que Israël pas qu'à éliminer Hamas seulement avec moyens militaires, tout simplement avec une campagne militaire. C'est peut-être ça, nous devons combiner une campagne militaire que Israël a menée avec un plan politique pour peuple là dans Gaza et puis finalement c'est ça n'a pas essayé fait. Yon l'autre bord, ayer lundi 3 juin 2024 là, Premier ministre Benjamin Netanyahu te dit. Première priorité là mais Israël là dans Gaza, c'est détruire Hamas. Destruction Hamas fait partie plan Gaza depuis le commencement. N'a travaillé dans plusieurs façons sous famille et souffrance. C'est peut-être ça, nous te fait un effort en plus pour faire yo tourner. Mais, nan fait ça, nous kembe objectif la guerre, ak principalement élimination Hamas. Nous insister pour compléter tout de. Kata ki se pays médiateur en dépati yo, di jodi a, li toujours aptan pour tout de boyo d'accord. Nous aptan yon position clé Israël qui représente tout gouvernement israélien.
Et ça pour qu'arrive, j'en noté ouais ça hier dans déclaration quelques ministres. N'importe discussion pour yon conclusion sous accord, ta doué gen yon position claire dans tout de boyo en réponse à l'idée yo présenté jodi a. Bon côté nous, communication a continué pour transmettre bien clair l'idée ça yo bay toute partie yo. Président américain yon, Joe Biden te présenté vendredi 31 mai 2024 là, yon proposition pour yon trois phases cessez-le-feu nan men l'armée Israël là, voyé by groupe islamiste palestinien Hamas pour mettre fin nan la guerre nan Gaza qui déjà touye plusieurs dizaines milliers moun et qui provoque yon crise humanitaire exagérée. Off là mandé pour yon cessez-le-feu, libérer otage israélien yo, libérer prisonniers palestiniens yo ak reconstruit Gaza. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Voilà, c'était grand point dans l'actualité internationale. Là. Actualité à concerne le pays d'Haïti, dans un petit moment, restez branchés ou sous VOA Creole. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer ou faire le bon choix. Actualité à mener dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Gary Koné, qui recevra lettre, qui recevra ampliation hier pour sous, et que les vins tous les premiers ministres, et bien qu'on y a la parée pour former un cabinet. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Gary Koné recevra ampliation arrêté qui nomme le chef gouvernement transition. Zak sa habilité l'initier processus formation gouvernement dans tête collée à conseil présidentiel là. C'est ça Edgar Leblanc fils fait connait suite à remise ampliation à monsieur Koné. Selon président CPT1, action sa vini dans un moment particulièrement difficile côté pays a fait face à une crise sans pareil. Il a profité mandé toute force vive nation en particulier acteurs politiques pour travail dans concertation dans consensus harmonie une façon pour réussir transition. Le pays vit dans une crise multidimensionnelle. Il importe donc aux forces vives de la nation et particulièrement aux acteurs politiques de travailler dans la concertation, dans le consensus, dans l'harmonie de manière à réussir cette transition. Dans l'allocution, Gary Koné dit l'apprécier le fait que le président CPT1 et l'autre conseiller mettent accent sur la situation urgence et vivre ensemble qui gagne dans le temps conseil. M'apprécie en pile que dans mon contrôle tout à l'heure, le premier soir dit moi c'est qu'il y a urgence. Le premier ça conseil là dit moi c'est qu'il faut aller très vite. Première instruction, tout le monde conseille ben moi. C'est que nous baignons temps pour nous perdre. Avant la cérémonie, ça, Gary Koné rencontré le président CPTA avec l'autre Mamio et au déjeuner ensemble. Ça qui constitue premier contact officiel entre conseil présidentiel transition et premier ministre Gary Koné depuis nomination officielle le 29 mai qui s'est passé là. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et pendant ce temps, nouveau premier ministre a commencé à prétendre des revendications avec tout défi qui gagne devant, notamment gagne ensemble organisation mon handicapé qui ganta yo même voyé yon nom en parlant de citoyen Fidel Bellegarde comme secrétaire d'État mon handicapé pour résoudre problème et secteur ça a confronté depuis quelque temps déjà. On a tous ces correspondants nous n'a pas de presse. Ensemble organisation mon handicapé qui regroupe tête yo en bas chapeau fédération Organisation Moun Handicapé d'Haïti FOPA, parmi eux, Organisation Moun Handicapé pour Développement d'Haïti, Participation Humanitaire pour Inclusion et Émergence Sociale et divers lots, saluer choix Dr. Gary Koné comme Premier ministre qui remplace officiellement Dr. Ariel Henry. En même temps, Volney Nehemi dénoncer mauvaise situation Moun Handicapé subi sous plan sociopolitique ak économique dans dernier temps sa yo. Avec crise que nous connaissons aujourd'hui, situation moun handicapé vin plus difficile chaque jour. Nous situation côté insécurité a valé terrain. Moun handicapé a quitté kayo en bas coup de balle par-ci par-là. Et ceci lorsque yo sauvé malgré ça yo pas en situation sûre et yo plus exposé avec danger.
Moun ka viv avec situation de handicap yo, notamment femme, si fi handicapé yo, yo pa suspend sibi et kade jak, zak malhonnête avec abi, à cause handicap yo, par rapport avec crise sa jodi a. Pour régulariser situation, hein, ensemble organisation moun handicapé yo propose Fenel Bellegarde comme secrétaire d'État moun handicapé yo. Si que on fait choix d'un secrétaire d'État, pour le moment là, c'est ce sous base expérience. Si c'est sous base comme base monde qui travaille dans ce secteur, il n'y a pas d'autre que monsieur Fenel Bellegarde. C'est raison ça qui fait nous-mêmes. Nous connaissons en Haïti, secteur pas nous, son secteur qui méprisé. Nous connaissons secteur pas nous, son secteur qui nous ça révélé. Parce que on pas veut tant de nous, parce que nous sommes secteur à part entière. Normalement aujourd'hui, nous voulons faire connaître nous ces monde même j'ai à tout le monde. Nous qu'a fait choix par nous. Nous qu'a dit ça nous voulons. Nous qu'a dit ça nous besoin. Et raison ça qui fait que nous dit monsieur Gaïkoni que choix c'est monsieur Fenel Bellegarde qui pour venir diriger boîte là. Pendant ce temps, il y a quelques autres organisations qui m'ont dit pour reconduire secrétaire d'État qui l'a connu Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et puis l'autre point dans actualité toujours concernant pays d'Haïti, deux petits canaux qui étaient dans Citadelle en Ria dans Milo disparition mystérieuse correspondant nous dans ville au Capou dans département Noir Gérard Maxino t'est rendu dans Citadelle là pour te chercher connait dans qui circonstance petit canot ben yo même yo t'est arrivé sorti quitter Citadelle là en allant rejoindre Gérard Maxino. Environ 15 jours après disparition de Ticano dans Citadelle Henria dans Milo, un juge dans commune ça, Mirlène Charlo, t'a fait constat légal lundi 3 juin 2024 là. Magistrat a parlé à quelques employés qui étaient sous place. Explication que bon c'est un employé qui c'est monsieur Ernest qui dit était nuit après-midi, c'était mardi 21 de l'après-midi. Pendant les chita en bas, et puis il a regardé en l'air, il voyait deux fenêtres qui étaient ouvertes. Il dit, semble-t-il que c'est un employé qui t'a nettoyé, qui fait nettoyer, qui oublie, ferme fenêtre. Il dit, il est monté pour la fermer fenêtre. Il dit, parce qu'il voit et marquer la pluie, si la pluie, la pluie va en dedans, il a fermé, c'est pendant la fermer fenêtre, et puis il gardait. C'est tout pour les fenêtres là, dans la zone là, sous galerie, et puis il y a une table à vide. Il, c'est tout, donc tape tous les deux canaux. Il y a une table à vide, et puis il est l'autre employé en bas, il est informé de ça. Agent sécurité, Valmy Ernest, qui travaille dans Citadella depuis environ 8 l'année, avoué, c'est dans date 21 mai 2024, pendant l'ital fermé, il y a une fenêtre, il garde sous table qui dégaine des petits canaux. Li pa wè. Je fini faire mes fenêtres par l'autre bord, m'a fait le tour et puis une tombé sur cette table ça là. J'étais vraiment étonné avec un petit émotion petit dit what? Comment ça s'est fait? Et puis me sorti mal parlé avec moun qui a fait entretien. Me dit ah messieurs dames, on va pas nous faire passer sinon mais nous pas raconter. Je dis comment ça nous pas raconter, dit nous pas saisir. Me dit pendant que je fais mes fenêtres vidéo, me pantant sur cette table là. Tous les deux types de riz, c'est là-dedans, on va voir canaux, on va voir fenêtres qui crasent, on va voir porte qui démonte, on va voir comment on fait sortir. Directeur régional Nord, Institut Sauvegarde, Patrimoine National Hispan, ingénieur Nitachil Fekone, c'est un vol complice qui sortit. Dans la sécurité, cap géré Citadelle là. Nous sommes capables de dire si ça c'est un vol domestique, parce que c'est en dedans même. C'est sécurité. Même parce que si vous avez un bagage, il n'y a pas qu'à disparaître. Dès qu'il disparaît, c'est que vous-même vous qui prenez bien son compte ou en complicité. Et avec ça que fait là. Il y a seulement 19 employés qui travaillent dans la Citadelle là. Quelques n'ont pas joué rôle sécurité. Et il y a seulement dans la main un bâton. La police, BESAP, pas présent dans la zone Citadelle en Ria, dans la bonnette à l'évêque. Gérard Maxino, cap haïtien pour la Fête d'Amérique. Merci Maxino, vous souvez au Créole, vous suivez un programme dans langue créole haïtien qui c'est rendez-vous info dernière mesure autorité immigration prend la cause même haïtien qui n'est pas qu'à voyager dans pays voisin donc sorti République dominicaine pour Haïti ou bien et vice-versa. Un reportage Jodley Junior Saint-Ville.
En plus déportation haïtien qui pas légal dans la République dominicaine qu'a fait presque chaque jour, autorité dominicaine yo pas suspend prend mesure pour limiter entrée sortie haïtien yo sous territoire yo. Ça qui la cause même yon catégorie haïtien qui légal gain difficulté pour traverser frontière entrer dans la République dominicaine parce que visa yo té révoqué selon vice délégué arrondissement Wanamet là Harold Joseph qui t'est parlé avec Véro Creole. Le président dominicain et il prend certaines mesures qu'il était révoqué tout visa dominicain pour entrer sur le sol dominicain. Et les par exemple, on a fait un visa américain depuis qu'il y a un passeport haïtien, peut-être qu'on permet de rentrer. Mais après ça, il vient pour l'autre mesure encore. Donc, depuis que l'on a lui-même, il a un visa américain pour l'entrée, c'est que s'il a voyagé, il faut gagner 24 heures de temps. D'avance pour qu'il n'y ait pas arrêté sur le territoire dominicain, c'est passé la passe. Donc, il n'y a pas arrêté avec. Non, il n'y a pas arrêté. C'est que le monde qui a un passeport haïtien, vraiment, c'est un problème. Vice-délégué Harold Joseph continue pour le dire. Autorité dominicaine yo en pile fois pas annoncé officiellement décision sa yo. L'été tout profité mande nouveau gouvernement haïtien qui a venu là pour reconsidérer relation Haïti avec République dominicaine. Et well comme une priorité. Les relations, il faut renégocier. Pas passer dans la couleur officielle. Okay. Je veux dire, par exemple, la République dominicaine prend mesure, c'est garder. Et on garde le portail la fermé, on a des mesures. Là, on vit sous frontière, il y a des mesures que on pas capable de traverser. Pour que on définisse les questions immigration, questions commerciales, qui t'a doué une priorité pour le gouvernement. Jodley Junior Saint-Ville. Depuis Wanamet, au VOA Creole. Et bien, mes amis, dans la question sport, et bien, dossier Kylian Mbappé a continué à dominer l'actualité sportive là, en allant s'en priver. En pile réaction après officialisation contrat international français Kylian Mbappé qui pourrait passer 5 prochaines saisons Lyon dans Real Madrid en Espagne. Nouvelle ça mettait fin dans un feuilleton qui l'a longtemps avec paquet de rumeurs qui t'a circulé sous mésentente qui t'a gagné dans vestiaire Paris Saint-Germain. Depuis Metz, Mbappé dit gagner moun ak bagay qui te rendit malheureux, mais au fond il pas qu'à dire t'es malheureux. Ce serait cracher dans la soupe de dire que au PSG j'étais malheureux, et ce serait cracher au visage de tous ces gens qui m'ont défendu, qui m'ont accompagné. Donc au PSG j'ai toujours été heureux, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendaient malheureux, et un joueur comme moi avec cette envergure là ne peut pas montrer quand il est malheureux. Parce que j'étais un leader dans cette équipe, j'étais quelqu'un que les gens suivaient. Donc, si le gars que tu suis est malheureux et traîne son spleen, c'est compliqué à suivre. On suit pas un gars comme ça. Donc, j'ai essayé d'être le plus positif possible. Gen pil bagay k'ap sorti sou réalité relation veut d'être là avec l'autre dirigeant club là. Communiqué Real la sortie hier lundi 3 juin 2024 là. Nan mitan grosse célébration 15e Coupe Ligue Champion après victoire 2-0 samedi dernier sous club allemand Dortmund. Et fanatique Real di, jodi m'a dit, eh ben yo pa k'attendre yo même pour yo international français. Mira Amios, c'est yon servante. Moi content, plus pour ti moun mwen yo qui chauffe. C'est api yon bel bagay. Moi espéré n'ap continue gagner l'autre Ligue Champion. Moi content pile. Fanatique Real Madrid yo di yo pa k'attendre. Alex Lopez, c'est yon travailleur construction. C'est pas extraordinaire pour yon joueur comme ça vinn jouer ici là. Monsieur gagne en pile talent et la pote en pile bagay pour équipe là. Real Madrid, c'est yon nan pi gros club qui gagne dans le monde et li gagne habitude recevoir gros joueurs football. À la fin des fins, c'est yon alliance d'après Hector González qui c'est yon travailleur dans la construction. C'est un besoin pour deux parties. Yo. Real besoin Mbappé, Mbappé besoin Real, c'est yon alliance qui bon pour tous deux parties. Yo. Transfert Mbappé dans Real Madrid là, c'est un gros bagage, c'est un gros point qui domine l'actualité. Carlos Gomez, qui c'est un avocat dans le pays Espagne, dit que Real Madrid était déjà une grosse équipe et il va gagner pour le prouver. Yo pa gagné pour yo prouver à équipe ça. Yo déjà gagné Ligue Champion, mais avec Mbappé, yo gagne assurance, y a continué remporter l'autre Ligue Champion. Champion d'Europe yo renforcé équipe yo avec un star mondial qui s'est réalisé puis bon saison avec Paris Saint-Germain, 44 goals et il était élu tout meilleur buteur pour 6 dernières éditions championnat français première division. Il était arrivé Paris en 2017 voilà, après gros nouvelle qui continue à dominer actualité. Bonsoir tout le monde, bonsoir Saïda. Moi c'est Jacques Lambélizer. À demain.
Yuri Garikouni. Parce que ça que nous-mêmes n'a li n'a gardé et de sous que nous avons fait confiance, semble que Garikouni t'a parti pour au moins pour t'a réduit quantité ministériaux. L'aime dire, ça veut dire nous connaît que 18 ministères. Eh bien, monsieur Gel est en tant que pour le capable de réduire, parce que je dis, hein, l'État pas guéri, l'État pas guéri sous sa quoi, l'État pas guéri réserve encore, et réduit avec la quantité ministériaux, l'État a une bonne idée selon l'équipe Garikouni. Et Garikouni déjà choisi moun ki bouta vini, chef cabinet, et madame Saken Gavin avait information sur lui. L'était passé comme chef cabinet ancien président Sénat, Joseph Lambert. Les Lambert était président Sénat. Et nous regardons qui est lié. Et est-ce que ça va dire tout? C'est à déjà, papa Tourné qui est proposé Mounsa. Nous regardons ça au Desivenes. Et en même temps, tout, eh bien, Gary Conin t'a proposé ancien ministre justice qui c'est Camille Edouard Junior, ancien ministre justice privé, comme ta secrétaire primatie. Mais jusqu'à présent, c'est de nous que la proposé pour garder est-ce que en discussion avec conseiller et avec toute équipe liant est-ce que vous allez tomber d'accord sur ça yo? Ça nous allons regarder ça yo, parce que jusqu'à présent il y a de gros réunions qu'a fait là, tout comme on a parlé là en pile secteur, en pile acteur, et gros réunion entre Garikouni et puis conseiller pour arriver capable mettre campé conseil présidentiel, alors gouvernement pardon, qui pral mettre campé hein. N'a dit que désir nous praler Kafou aéroport, parce que nous apprenons que y a un pile machine qui a boulé là dans le moment. Et qui sac à la base machine qui a boulé, nous pas connaît. Est-ce que c'est camionnette? Est-ce que c'est bus? Est-ce que c'est machine privée? Que nous pas connaît. En même temps, nous apprenons désir, mais Gonaïve lui-même, qui devine avec dossier ça, t'as que on parti dans le marché Gonaïve là, bon, bref, je connais, qui ça qui à la base lui, ou pral dire exactement avec Zamio, qui ça qui à la base, qu'est-ce qui s'en comme information dans la question d'effet qui éclaté dans le marché Gonaïve là. En même temps, tout désir, laissez-moi dire nous, gagne de gros pressions que communauté occidentale là, que m'a dit que, et gouvernement américain, librement à mettre là sous conseil présidentiel là et déjà sous premier ministre Garikouni pour que yo jwenn rapide presto pour mettre campé gouvernement et pour commencer vraiment mettre au travail pour mes résultats. En pile action, en pile pression, en pile réunion commence à faire là. En même temps tout, gen en pile acteur qui dit que yo pas croire nan résultat que Garikouni lui-même cap et pral bay, parce que l'autre dit Garikouni ou est Clinton comme ancien président États-Unis et yo garde Clinton comme moun qui je dis hein, contribuer dans l'état Haïti côté li là, les que l'ité gargoté selon sa pli moun di, l'agence CIRH qui était là pour capable reconstruire Haïti. Bon, c'est pas que moun a dit en termes de débat, mais Garikouni pour prouver le contraire. Iso, chef section seconde, monsieur dit que encore, li senti que le commencé bouquet, parce que li impatient tellement l'attente mission sa vini. Li impatient tellement l'attente que soldat sa vini. Li vraiment impatient. C'est ça qui dit bon côté ISO 5 secondes. En tout cas, zemete nou yo, li clair, président Kenyatta dit c'est dans 3 semaines encore. Nous déjà commencé mois juin. Est-ce que zone 15 juin, 20 juin, fin mois juin, mission Real vini? Eh bien, un pile visite à fait et un pile avancée à fait dans 4 bases qu'a construit pour mission dans l'aéroport, tout ce l'ouverture là. Désir, nous avons des bagages dans mon la frère. Comment est-ce que la situation dans nous bel et bien forme, quand on rejoint nous dans parler plus changement pour venir rejoindre nos amis internautes qui branchent tout partout à travers le monde là, surtout haïtiens qui voulaient bien informer sur ça autant de comme rumeur ou yo voulaient venir confirmer, mais c'est à travers mais ça nouvelle Blaise Info, pas une nouvelle votre Calbas Info Racine Nouvelle Haïti qui vous fait confiance dans ensemble des données, dans ensemble des productions qui permettent que vous été informé sur ce qui a passé en dedans pays. Ispan dénoncé des canaux en bronze yo volé dans citadelle La Ferrière dans le mois mai qui se passé à institution a dit yo ouvert une enquête pour occasion qui côté quand yo passé et yo même dit y a contacté Interpol pour capable retracer quand yo et puis a, pour arrêter moun qui t'a gagné au trempé dans vol canon en bronze silayo qui sorti dans citadelle La Ferrière pendant plusieurs monde attendait
et qui contrôle sérieux que Ispante bail pour ça pas arriver dans espace là l'en connaît tout un gros site historique yo largué sous sans contrôle c'est citoyen qui dans zone qui entendio pour bail des services dans espace c'est même genre avec palais 365 porte dans rivière la Tibonite c'est même genre avec Folaka Tapierro qui livre pour compte lui et bien et qui la cause en pile dans outils que les ancêtres ont utilisé pour bataille indépendance yo arrivé disparaître Ispante pas rien vraiment trop de détails quel cap bail sous histoire c'est là. Blaise Peterson, est-ce qu'on connaît gen yon conseiller présidentiel yo pour jusqu'à présent, depuis avant, yo te désigné, nommé Gary Conny comme premier ministre qui parle en pays ya. Pour jusqu'à présent, selon l'information, t'as fait quoi? Que monsieur en difficulté, t'as subi gros pression en bas main, monsieur dame qui dans le secteur privé yo. Qui la cause qu'elle est obligé quitter pays ya. Depuis 28 mai, gagné Laurent Cessier qui représentait en dedans conseil présidentiel là, c'était secteur privé à qu'elle représentait dans le conseil présidentiel là. Eh bien, il était déclaré qu'elle pourrait louer famille qui aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Laurent Cessier semblait pas une idée pour retourner dans le pays encore. Parce que selon confrère dans le métronome, qui fait quoi qu'il a contacté des sources qui ont fait confiance, il a fait qu'on est que secteur privé a été bail Laurent Cessier, il a un mandat qu'elle pas capable de river, réaliser en dedans conseil présidentiel là, parce que t'as une banque qui t'a fait faillite. Pour au moins l'ital interférer dans sa décision pour chercher avantage pour le secteur privé. Le Laurent Cessier estime que ça n'a pas marché. L'ital dit qu'il pourrait louer famille et Laurent Cessier n'a pas l'idée pour le tourner dans le pays encore. Laurent Cessier voulait rester aux États-Unis d'Amérique. Qu'il y a qui go question qu'il t'a posé? Qui ça fait les États-Unis? Entendre pour le servir cachette pour tout le monde qui est dans mauvaise affaire en dedans pays. Qui a le caché normalement aux États-Unis d'Amérique? Il y en a qui fait prendre fonction. On est qui fait prendre une responsabilité en dedans au conseil présidentiel qui lié avec la présidence pour venir servir la République. C'est vrai, c'est des secteurs qui étaient désignés pour venir dans le conseil là. Si on demande pour faire négociation pour eux, négociation pas tomber à point, est-ce que ça t'a demandé pour pratiquer la marronnage? Est-ce que Kounia, les personnes, pratiquer le marronnage, est-ce que ça c'est vrai sens là? Est-ce que les pratiquants chita sous responsabilité? Bon côté, Laurent Cessier. Liberté avec Laurent Cessier pour porter éclaircissement sous point sable de personne. C'est le premier pays qui a une épidémie qui a envahi, fièvre, grippe, si moun tan kou grand moun, pas épargné en bas ça. Ministère Santé publique à la population pour jusqu'à présent, par exemple, lâcher un mot sous fièvre qui a porté gros douleur, qui a porté grippe, qui a empêché moun pratiquement vaquer avec activité. C'est moun qui pratiquement plonger dans la médecine traditionnelle pendant responsable qui dans le ministère de la Santé publique à la population, pas jamais dire une question ça. Pas jamais analyser, pas jamais poser question, qui ça qui la cause. La situation de saison cyclonique qui annoncé depuis samedi 1er juin, l'hypothèse gros inquiétude dans divers espaces par rapport avec l'eau qui commence à descendre, qui a porté la vie, qui a causé gros dégâts dans divers espaces. Gary Conny, non, moment qu'elle tape ses voix, une copie des arrêtés ou ampliations qui permet qu'elle vienne prendre fonction comme premier ministre, lui pas fait trop gros promesse. Lui pas fait promesse, mais le fait quoi? Tant que j'ai conseiller présidentiel, il te dit, il va aller au travail. Il va pas doit quitter trop de temps passé parce que le peuple haïtien a souffri blessure de son. Réaction pas suspendre tomber. Sous petite vidéo, avec image qui virale sur Internet, là, côté Gary Conny t'est accompagné avec France LB, le DG de la police nationale d'Haïti, pour t'aller visiter un ensemble d'espaces, blessure de son, et en dedans capital pays a qui nous connaît qui n'est exam a taille pendant la dedans et on va qui surprendre nous car il connaît dans l'espace avec blindé on cartouche pas tiré. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une planification? Est-ce que c'est une entente qui dit bandi yo que chef la pla pour tout bandi rentrer dans tout? Mais information t'a fait quoi tout gain gros machoel ouvri avec entre ISO et divers nèg qui responsable zone côté Gary Conny était pas couru parce que yo pas pété en pétard. Et ils ont commencé à sentir paix. Ils ont posé cette question. Est-ce que Nexayo pas pour livrer? Est-ce que Nexayo pas pour vendre Blaise Peterson? Sous ça qui lié avec des missionnaires américains, ils arrivent dans l'État Missouri, ils ont planifié pour y aller dans la zone province dans l'État Missouri pour y aller faire funérailles, pour y aller rendre dernier hommage Blaise Peterson. Et après rappeler, autorité américaine qui en Haïti pour l'autre bord de l'eau, t'es entendu pour te négocier avec Vite l'homme innocent pour aller chercher cadavre des missionnaires américains qui étaient en dedans pays. Et n'a toujours rappelé,
qu'éviter l'homme innocent. Selon sa FBI et plusieurs journaux rapporté FBI, il y a 2 millions de dollars qui sont disponibles pour n'importe monde qui t'a café ou mettre main dans pas de cadavre, tout ça, qui veut éviter l'homme innocent. Idmo Nono, tout y est, deuxième chef gang, commune Pilate, là, qui relait Claudel. Eh bien, à travers une voice qui a circulé, premier chef là fait quoi? Que la baille Idmo yo, mon EPSD. Et n'a pas rappelé que Pilate, commissariat Pilate, a été rentré dans l'issue commissariat qui était arrivé fermé pour raison insécurité, Blaise Peterson et amis internautes qui branchaient tout partout, qui a regardé, qui a attendu tout simplement pour chercher si l'on sait information. C'est ensemble pour ça. Bon, côté pas, nous allons regarder. Et diverses autres qui ont venu, Blaise Peterson, pour permettre que les amis internautes bien informés sur ce qui a passé en dedans pays et Blaise Peterson. Et des je connais ça déjà mon frère, ou connaît que depuis dans l'émission parler pour changement font dans salle moun yo, mais nous pour aller rapide et nous pour aller rapide parce que nous gagnons dans la rien, on regarde nos ambassadeurs qui est où est là qui et bon, des habitués qui toujours là, nous connais ça déjà, mais de nouveaux moun qui a rejoint et émission mes nouvelle yo et blessé faut pas une nouvelle votre calbas et pour rester nouvelle Haïti yo, on regarde qui est qui ambassadeur là nous désir. Très bien, la situation, non, big up, Denis Wilda, qui toujours acte nous, merci en pile, pour, fidélité d'acte nous, saluer Alvarez Dosso, nous saluer Marino Zifor, nous saluer Jean-Robert Latour, nous saluer également, Zamisa, qui c'est, Sephora Pierre, qui toujours acte nous, merci en pile, parce que lui-même, libre branché, lui, toute promesse que messieurs dames, a fait là, lui-même, c'est Saint Thomas, c'est l'Elwe, la Croix, a bon bagage, qui a fait, en d'un pays, parce que tout ça qui passait, c'est sous bluff, c'est sous mentor, qui est, nous saluer Mimoso Jean-Charles, qui toujours acte nous, qui souhaitait bon Dieu bénis nous Blaise Peterson pour travail qu'il a fait. Nous saluons Junior Pierre qui entend, qui garde, qui toujours quitte commentaire dans le cadre émission que nous toujours présenté. Nous saluons Roselaine Metellus qui souhaitait nous bonne journée, nous souhaitait bonne journée tout, nous dit merci en pile parce que lui toujours avec nous. Elisabeth Félix qui toujours bien chaîne, nous dit grand merci pour écouter lui et pour commenter qu'elle quitte pour nous. Nous saluons Jean-André qui toujours avec nous et nous dit merci en pile. Nous saluons et Joseph à Tania, qui nous dit merci en pile pour commenter dans quatre émissions et qui nous t'a pour matin, qui pratique pas avec nous, nous dit merci en pile, mais qui commentaire en pile, ils ont montré hostilité, mais nous comptons en pile parce qu'on fait partisan, mes familles qui abgardent chaque jour, t'as mis tout vini, ou fait deux, trois minutes, ou gardez, ou tendez, ou pas prendre de nous quand même, nous saluons Marie-Jasmin, qui toujours en chaîne, qui salue moi-même, Désir Vénès avec Blaise Peterson, nous saluons Nobert, qui pratiquement dit, et blanc, pratiquement pas bien, un, série qui a bien fait pour pays d'Haïti parce que situation paraît très difficile. Nous saluons Janine Petit Homme qui toujours avec nous Blaise Peterson qui montrait que problème insécurité qui gagne dans le pays faut au moins et Gary Koni Kishita en premier lieu ouais qui est capable d'aborder problème c'est là qui gagne dans le pays Blaise Peterson. Roselaine Metellus merci en pile parce que là nous saluons et Bernard Laurent qui toujours avec nous, nous dit merci en pile pour écoute lui pour fidélité et nous saluons Will Lachal, nous dit merci pour donation qu'elle fait avec mes sacs nouvelles. Parce que nous, Will Lachal, dans l'émission qu'elle nous a gagné, Aya, il pratiquement une donation de 20 dollars qu'elle fait avec plateforme Sac Nouvelle, nous dit merci en pile, parce que lui estime que le travail n'a fait à lui important, qui cap permettre au moins que plus de monde continue, encourager, apprécier le travail, mais Sac Nouvelle a fait dans le monde média social là, et plus de monde besoin de continuer et aller dans le même lancer ça. Nous saluons Marie-Paul, qui pratiquement essaie donc de regarder les sept présidents, ok? Moun, qui pratiquement dans la tête à conseil présidentiel là, lui dit c'est cette gang qui est blanc, voyez en dedans pays, pour venir craser, tirer ce qui était à Blaise Peterson. Situation pratiquement difficile, en pile, moun, très sceptique. Nous saluons Immaculé Lafleur, qui essaie donc toujours avec nous, qui montre que lui-même, il était cohérent dans la position qu'elle gagnait, bon côté. Guy Philippe, c'est Guy Philippe qui continue à prôner jusqu'à minute qu'il n'a parlé à. Nous saluons, c'est Dazema, qui toujours avec nous tout, nous dit merci en pile pour écouter lui, pour fidélité, lui dit, question invité à lui, peut-être pas invité à, il dit plutôt nous faire une chose sans invité, peut-être invité à pas trop arriver sous lui, mais pour un peu le monde, invité à marcher, et nous obligés c'est donc à balancer, si majorité a dit pas invité, n'a pas qu'un besoin invité, mais majorité a dit, on d'accord avec invité à, et bien, on continue de faire avec invité. Nous saluons Joseph Henry, qui toujours avec nous, nous dit merci en pile pour écouter lui, pour fidélité, parce que lui participer dans le cadre émission que nous présentons, qui permettent au moins, mais ça que nous voulons, les